Merci pour l'intérêt que vous portez au Grand Marathon du Ténéré. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Agdal Wessan, je suis nigérien. Je suis né à Agadez, à 1000 km au nord de Niamey. Donc je suis le fondateur et l'organisateur de l'événement Grand Marathon du Ténéré. Je viens dans le cadre d'officialiser Arhansal, qui a accepté d'être le parrain du premier marathon, le 42 km du Niger, pour la première fois, une première au Niger, et pour beaucoup de choses que j'ai choisi à Arhansal. Et je suis vraiment très content d'être là avec vous pour effectivement officialiser ces parrainages, dont certainement on va donner un grand pouce pour le marathon du Ténéré. S'il vous plaît, pas vous, juste. Ouais. Merci. On est des frères, on est le même objectif. Déjà la première fois que quand tu m'as parlé par téléphone avant que tu viennes ici, tu m'as parlé de votre marathon, les objectifs, le thème. Dès que tu m'as dit le thème, déjà ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé beaucoup, surtout en Afrique, surtout dans notre pays, pays pauvre, etc. C'est la paix. C'est la paix qui est la base de tout, de développement, d'être bien et tout ça. C'est la paix d'abord et après on pense à autre chose. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui marche. Tout à fait. Alors, la paix, ça m'intéresse, le thème de votre marathon, etc. C'est déjà, ça m'intéresse, je suis d'accord de courir dans le marathon de Ténérire. Et d'abord, je suis ravi. Le premier marathon de Niger, ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est aussi un honneur pour moi de courir un marathon qui déroulera au Niger. C'est son premier marathon. Et moi aussi, ça m'intéresse aussi toujours des marathons comme ça, développer le sport. Et à travers le sport, il y a beaucoup de choses qu'on gagne. On donne la chance à les gens pour devenir des champions dans l'avenir, aussi développer la région, se connaître la région, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Arhansal, son profil m'a intéressé par son humilité. C'est quelqu'un d'humble, accessible, par sa performance, parce qu'Arhansal est le champion du Maroc dans les domaines de l'athlétisme. Il est incontournable. Et la troisième des choses, c'est une personne qui est partie de rien, voilà, qui s'est imposée du jour au jour, qui est devenu champion du Maroc de par son parcours. Il est parti de rien et c'est cette humilité qu'on voit en vous, c'est ce côté de pouvoir s'intéresser à toutes ces causes, à tout ce que vous faites, quand vous le faites avec amour, avec conviction. Et c'est surtout ça qui m'a intéressé à venir vous rencontrer. Oui, moi aussi, toujours, je dis, il faut qu'on croit à nos rêves toujours, parce que un jour, ça va venir. Il faut juste mettre un bon rêve dans notre tête. Et ça va arriver, Inch'Allah. Moi, grâce à le sport, à travers le sport, je dis toujours, le marathon des sables, elle a sauvé ma vie.
parce que c'est le marathon des sables qui m'a mis dans le bon chemin. Avant, je fais à gauche, à droite, mais dès que j'ai commencé le sport, dès qu'il y a le marathon des sables, il m'a mis dans le bon chemin. Et grâce au marathon des sables, il m'a ouvert des portes, j'ai rencontré des amis au monde entier, etc. J'ai visité le monde et ça m'a changé la vie aussi. Et je suis toujours. C'est pour ça que je dis aussi le sport, un marathon simple, même si la première édition, c'est un très bon départ. Et le résultat, ça va grandir, hein. Ça va donner des bons résultats, ça va développer la région, ça va donner la chance à plein de jeunes pour réaliser leur rêve. Et vous souhaitez vraiment bonne continuation, bon courage. Et ça, je vois déjà, vous êtes courageux, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout pour créer Merci, le votre rêve. merci. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous veniez à Agadez, au Niger, pour expliquer à cette jeunesse, comme vous êtes un repère, comme vous avez aussi connu des difficultés. Vous êtes 10 fois vainqueur du marathon, de l'ultra-marathon. On ne parle plus du marathon, c'est des centaines de kilomètres qui s'est fait sur 6 étapes. Et vous êtes parti de rien. Vous avez un parcours qui est très génieux, qui est magnifique. Et vous incarnez beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que votre présence à Agadez, en tant que parrain, et à Voilà, mes amis. honorer aussi, vous avez dit que vous allez le courir, donc à poser vos baskets. Moi aussi, j'ai organisé pas mal de trails au Maroc et ça m'intéressait aussi toujours d'avoir d'autres gens, d'autres régions, d'autres pays on fait aussi la même chose et comme ça on fait le change, comme ça on s'aide entre nous. Ça m'a fait plaisir de retourner à mes racines, à l'Afrique. Comme il a dit Hassan II, le Maroc c'est un arbre, les racines ils sont en Afrique, mais le feu, etc., les fruits ils sont en Europe. Alors c'est l'Afrique, c'est notre avenir, c'est notre racine, c'est notre origine. Oui, tout à fait. C'est notre devoir de pouvoir le faire. C'est à nous de pouvoir participer au rayonnement de nos régions, qui sont ces régions sahéliennes aujourd'hui, qui sont en train de vivre des choses dont ils ne méritent pas. Et vous avoir à nos côtés, à nous épauler, à nous faire dépasser, parce que quand même, vous allez venir dans une région où le sport n'est pas valorisé, où effectivement vous allez sensibiliser des jeunes, où vous allez leur faire comprendre beaucoup de choses. Et moi et mon comité, on est très reconnaissants et on vous attend avec grand plaisir en tout cas. Merci. Et c'est Voilà. l'occasion aussi de, oui, De renforcer les liens de entre... renforcer le lien. C'est Voilà. l'occasion de ton venir au Maroc. Je te souhaite un bon séjour, même si c'est court. Là, j'espère la prochaine fois que tu viens pour un long séjour, on peut aller même dans le désert Faire du marocain, trek. aller Wow. Merci. visiter la région Zagora. Et maintenant, je prends l'occasion de t'offrir un livre qui était écrit sur moi par un journaliste belge qui a parlé de ma vie, de sport, etc. C'est l'occasion Ah, de parfait. t'offrir ce Merci. livre Je suis très honoré, avec franchement. plaisir. Et voilà, c'est l'occasion de. Après, Waouh. voilà, Et c'est c'est le livre. quoi? Waouh. Marathon des sables. Hassan Larsan, fan nomade et star du désert. Et parle beaucoup de choses, il y a aussi pas Ouais. mal de messages dedans. Je remercie encore Marie-Pierre qui a fait un grand effort pour Oh. ce livre. Prends ton temps pour le lire et En tout après cas, tu me merci dis. à Hansal pour ces fameux bouquins que je lirai avec grand plaisir. Et voilà, je prendrai tous les temps pour le lire et je te tiens au courant. Merci. Franchement, merci. Et si je pouvais, enfin, tu m'as donné la permission de te tutoyer, si tu peux me les Ah oui, dédicacer, ça serait avec plaisir, oui. parfaitement bien. Voilà, merci. Alors, le stylo, je crois, il est quelque part ici. Pardon, je cherche un stylo.
Bravo. Présumé, hein. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour les bouquins et la dédicace. Franchement, Avec merci. plaisir, avec plaisir. Et Je j'ai quelque suis chose pour content. vous, messieurs Arinsal. Comme vous êtes le parrain et le premier inscrit du marathon, voilà Waouh. votre dossard Oh, avec les merci. couleurs de votre pays. Le concept courir pour la paix au Sahel Oh, merci. prend plus d'ampleur. Ça me fait plaisir. Et Et en voilà, plus, avec vos c'est initiales, aux Arinsal couleurs Larsan, courir pour la Maroc en paix. plus. Oh là là, Waouh. franchement, merci et bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Je garde. Voilà. Oh, c'est magnifique. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Rien. Et on compte sur vous pour donner au Niger la chance d'avoir son premier marathon. J'espère aussi d'avoir des autres athlètes marocains qui vont venir participer Voilà. aussi Parce que vous êtes connu dans les deux mondes de l'athlétisme. maghrébien Voilà. ici. Le Ouais. Maghreb, enfin toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent se réunir autour de ce concept. Et ils sont le bienvenu. C'est une course Merci. gratuite ouverte à tous. Et avec grand plaisir. Merci, Un c'est accueil gentil. chaleureux vous sera réservé. Merci. Merci.